Bonjour à tous. Ce matin, je reviens sur un amplificateur que j'ai depuis longtemps. La personne, elle me l'avait apporté. Je l'avais mis de côté parce que j'attendais des pièces. Là, j'ai changé une pièce dedans, mais il y a encore un problème. Puis je voulais vous montrer un peu ce qu'il y avait. Son problème, c'est vraiment spécial. Là, j'ai mis des écouteurs dessus. Mais si j'augmente le son, ça vient cliquer à quelque part ici. Puis si j'en demande trop, le fusible sort. Fait que va falloir vraiment que j'aille voir soit les soudeurs ou soit qu'il y a une pièce qui, quand on y en demande, il n'est pas capable de le prendre. Mais c'est quoi? Même mes lumières baissent quand ça décide de sauter. Si j'y demande, je vais mettre juste mes écouteurs. Et voilà. J'essaie de déterminer par où ça peut faire ça, mais ça me donne l'impression que c'est seulement un fil. Ça vient du transfo. Wow! C'est bizarre. Ben oui! Ça vient d'ici. C'est lui qui fait ça. Spécial. Je vais en parler à mon client, mais c'est vraiment spécial comme problème. Bon, mais j'ai démonté le bloc d'alimentation, le transformateur, je veux dire. Puis l'autre pièce qui est ici, qui est branchée pas mal dessus. Je vais aller vérifier les condensateurs ici. C'est peut-être un qui commence à être limite, puis qui commence à causer des problèmes. Comment c'est monté, ça? C'est ça ici, il passe par là. Ça, c'est vissé là. OK, on va démonter ça. Ça ici. Parce que là, c'est-tu le transformateur qui fait ça? C'est-tu une pièce pas loin qui fait faire ça au transformateur? Bonne question, hein? Enlever ça de là. On va sur le côté. Là, on va pouvoir vérifier ici. Partout. Qu'est-ce qui se passe là? Prendre mes gros yeux. Bizarre ce soudure-là ici. C'est la soudure d'un condensateur en plus. Ça ici, c'est le pont rectificateur, bridge rectifier. J'avoue que ce soudure-là m'agace.
était collé. Ce condensateur-là, on va le vérifier. Il est en low ISR. Il est même très low ISR. Regardez sa capacité. Il est à la limite, hein? Je viens de voir qu'il est à la limite. C'est limite. C'est limite. Je pense que quand tu as l'avoir dans les mains, je vais le remplacer. C'est un 16 volts en plus. Je vais le remplacer. Puis là, un autre qui serait limite ici. Il est sans ligne. 1.42. En bas de 47. Un autre qui serait sa limite. 10, 13 volts. Bon, mais j'en ai trouvé quelques-uns à remplacer. Fait que, on se croise les doigts que ce soit juste ça. 1, 2, 3. Je vais les dessouder de là pour commencer. Là, il y a ces deux-là. Bon, j'en ai refait un autre ici, là. Hey. Ça, là, c'est 100 UF 10 volts. Si je le vérifie. Wow! 8.51. Il est bon s'il est en bas de 10 UF. 8.67. Je pense qu'il est plus bon. Ça, ça aide pas. Donc ça, c'est 100 UF 10 volts. J'espère que j'en ai de ça. Mais oui, j'en ai. C'est pour l'audio en plus. 100 UF 10 volts. On va remplacer ça. Bon, ben, je nettoie le tout. Tout ça que j'ai trouvé qui n'était pas bon, je les ai remplacés. Je vais même vérifier ça de l'autre petite carte. Donc, j'avais celle-là. Non, pas celle-là. J'ai remplacé. Celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Puis celle-là ici. Les quatre ici. C'est ça. J'en avais quatre. Il y en avait un qui était à la limite, non? Mais j'en avais quatre qui étaient plus bons. Je vais vérifier cette petite carte ici. Là. J'en ai pas gros, j'en ai deux. Les autres, c'est en céramique. Je vais vérifier ces deux-là pour la fun. C'est quoi ça? 10 UF 50 volts. Ça surprendrait ça. En bas de 47, donc il est excellent. 50 volts, 1.5. C'est bon. On remonte ça, on essaye ça. Bon ben, je suis pas loin.
C'est soit des mauvaises soudures, qui, d'après moi, c'est des mauvaises soudures ici en dessous. Va falloir regarder, il est débarqué, parce que j'ai touché. Il y a des mauvaises soudures sur la connexion, là. Je la tiens. Il revient. Il vient de débarquer. Fait qu'il me reste juste ça. Le restant, tout est parfait. Il va me rester à nettoyer les boutons en avant. Fait que, on arrive. On y arrive. Bon, ben, j'ai nettoyé la carte. Puis que, là, on va revirer ça de bord. Vous allez le voir comme il faut. Regardez. Quelque chose qui s'est passé ici. Ça a peut-être surchauffé avec le temps. On va refaire ces soudures-là. Ça a déjà été soudé ou ça a chauffé ou je sais pas trop quoi. Moi, j'aime pas ça quand c'est pas propre. Ça c'est parfait. Bon, comment mieux que c'était. J'ai misère avec mon piton. C'est parfait ça. Numéro 1. Là, si, hein. Ah oui, il a craqué, là. Je le vois. Je le vois clairement que c'est craqué. C'est pour ça que ça a coupé. On va refaire les soudures, puis ça va régler tous les problèmes. Hein? Beaucoup mieux que c'était. On remonte ça en place pour essayer ça. Bon, ben, j'ai tout corrigé. Le problème de son. Mais j'ai perdu le discipline avant. Quand tu branches tes fils dans plus de 20 ans, là. Tout est parfait, le son. Allez vérifier, il y a peut-être soit un petit fusible à quelque part qui a lâché ou un fil qui est mal branché. J'ai perdu le display. Ça suit. Bon, eh bien, avec la patience et la persévérance, ça a l'air qu'on arrive à tout. On allume ça. CD. On part la musique. On entend qu'il enclenche. Un beau petit récepteur NAV de T751. FM, AM, j'ai tout nettoyé les boutons en avant. Surround mode. On va le mettre en stéréo. On va venir au CD. Pro Logic. Tous les modes fonctionnent. Ça, c'est 5.1. Extension. J'ai rien de branché en arrière. Extérieur 5.1. Là, c'est le bouton vidéo ici. Si je m'en vais dans FM, je m'en vais à. Je ne vais pas jouer longtemps à cause des droits d'auteur. Tout fonctionne numéro 1. On retourne sur CD.